bien, salut tout le monde, c'est Rambo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors comme vous l'avez vu à la miniature et au titre, c'est un tuto pour pouvoir débloquer des items cachés ou secrets dans la campagne d'Advanced Warfare. Alors comme vous avez vu, j'ai mis l'intro de code QGCodeCF car je vais tenter de leur envoyer cette vidéo, donc je tiens à les en remercier d'avance s'ils m'uploadent. Donc on va commencer tout de suite. Donc d'abord je vous montre mon personnage, donc vous allez me dire « Waouh, comment t'as fait pour débloquer ton exosquelette rouge et blanc, ton pantalon, enfin tout ton personnage, il est stylé et tout ». Alors c'est simple, je vais vous expliquer, d'abord je vais vous montrer, donc dans les hauts, donc haut de la campagne Atlas, équipement, donc alors avant de continuer, l'équipement ici, l'équipement d'éclaireur Atlas, vous le débloquez directement quand vous avez terminé le mode campagne dans n'importe quel niveau de difficulté, vous le débloquez directement pour le multi. Alors ensuite, il y a les gants de la campagne, le pantalon de la campagne, les genouillères, les bottes, je ne les ai pas encore, et l'exo de la campagne Atlas. Voilà. Alors bon, bah, comme vous l'aurez deviné, tout se débloque en mode campagne. Alors bien sûr, je tiens à préciser que tout se débloque aléatoirement. Je vais vous expliquer après comment faire. Donc en fait, si vous faites la campagne, vous allez débloquer les mêmes choses que moi, mais peut-être d'une différente couleur, ou pas forcément les mêmes choses, car tout est aléatoire en fait. Voilà. Pour les débloquer, c'est simple, il y a les défis. Si vous faites le mode campagne, il y a des défis à faire. Par exemple, il faut faire 1600 kills, il faut faire, je crois, c'est 300 kills à la grenade, il faut faire un truc comme 250 headshots. Et il faut ramasser les renseignements. Et en fait, en terminant ces défis-là, vous allez gagner des points de compétence pour améliorer votre exosquelette en campagne. Et en améliorant votre exosquelette en campagne, vous allez débloquer un ravitaillement. Et le ravitaillement se débloque en multijoueur. Et vous pouvez gagner des objets de personnalisation de personnages, mais pas que. C'est là que ça devient quand même assez intéressant. C'est que vous pouvez débloquer des armes. Et moi, j'ai débloqué le Morse Lullaby. Alors, moi qui est un très grand PGM du snipe, hein, non, c'est pas vrai, j'ai débloqué le Morse. Donc voilà. Alors, la particularité de ce Morse, c'est qu'il possède le processeur balistique d'origine et on ne peut pas l'enlever, comme vous voyez. J'ai beau cliquer dessus, je ne peux rien faire. Je ne peux rien rajouter d'autre à part une crosse. Dès que je l'aurai débloqué, je pourrai la mettre. Mais sinon, niveau viseur, je ne peux rien utiliser. Le Morse, il est fait comme ça. Et je vais même vous montrer, j'ai créé une deuxième classe avec le Morse. Voilà, le processeur balistique, ici je peux le mettre, je peux l'enlever, je peux faire ce que je veux avec. C'est la petite particularité du morceau de la bise, c'est qu'on ne peut rien, on ne peut pas changer. Donc voilà, donc peut-être que vous allez débloquer ce snipe là aussi. Moi j'ai débloqué directement après avoir fini le défi des headshots, j'ai débloqué ce snipe. Donc peut-être que vous débloquerez le même snipe que moi. Ou alors vous débloquerez un morse, mais pas forcément cette variante là, peut-être une autre. Vous pouvez débloquer aussi, c'est possible que vous débloquiez le Lynx ou alors le NA ou l'Atlas, mais d'une autre variante. Comme je l'ai dit, tout est aléatoire. Et donc c'est pareil pour la tenue de votre personnage. Tout est aléatoire, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes couleurs. Donc peut-être que vous allez le débloquer en bleu et blanc ou en vert et blanc. Ou enfin, voilà, je dis peut-être des conneries niveau des couleurs, mais en tout cas, tout est aléatoire niveau du déblocage des équipements. Moi je sais que j'ai la première chose que j'ai débloqué, c'est l'exosquelette, puis c'est le torse, puis j'ai eu le pantalon, et là en dernier j'ai eu les genouillères. Je crois que le snipe je l'ai eu, ouais, entre l'exosquelette et le torse. Donc maintenant je vais passer en mode campagne et je vais aller débloquer un équipement avec vous. On se retrouve tout de suite en mode campagne. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve juste après la mission. Donc comme vous voyez, j'ai deux points d'amélioration et je vais appuyer sur carré pour améliorer. Donc, de toute façon, que vous améliorez n'importe quoi, vous débloquerez quand même quelque chose. Donc je vais améliorer mon sprint. Allez, c'est parti, améliorer. Voilà, et vous voyez que je viens d'obtenir un ravitaillement. Donc justement, ce ravitaillement est débloqué pour le multijoueur. Donc là, je vais refaire une mini coupure et on se retrouve tout de suite en multi. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve en multijoueur. Alors, donc on va dans nouveaux objets. Et là, vous voyez que j'ai débloqué le ravitaillement, donc le largage. Donc on va regarder ce que j'ai débloqué tout de suite. Allez, plus vite. Voilà, donc équipement blindé Nigerian Elite. Voilà. Hop, donc. On va aller
Non, c'est pas ici, excusez-moi. Hop, opérateur, personnalisation. Tenue 1. Je vais quand même tout vérifier au cas où parce que. Non. Dans le casque, il n'y a rien. Dans le haut. Haut de la campagne. Normalement, j'aurais dû débloquer quelque chose de la campagne. Là, j'ai débloqué ça. Mais ce n'est pas celui-là. Dans les gants. J'ai les gants de la campagne. Le pantalon, j'ai le pantalon de la campagne. Genouillère. J'ai le pantalon de la j'ai les genouillères de la campagne. Dans les bottes. Voilà, bottes campagne d'Atlas. En fait, oui. Je me suis trompé, en fait. Ce que vous débloquez dans le ravitaillement, ça ne se met pas en ravitaillement, voilà, ça se met directement comme ça. Et de toute façon, ça sera soit marqué botte de la campagne Atlas, exo de la campagne et tout ça. Voilà, donc là, c'est les bottes que j'ai déverrouillées. Donc par rapport à ce que vous améliorez, donc là, comme j'ai amélioré ma vitesse de course, ben, j'ai débloqué les bottes. Forcément, vu que c'est utilisé pour marcher. Donc voilà, donc je vais les mettre tout de suite. Donc bottes, voilà, et on les met. Voilà, les bottes qui vont avec le reste, c'est parfait. Donc je préfère le redire, ce que vous débloquez, c'est aléatoire. Je préfère le préciser. Donc vous ne débloquerez peut-être pas le même que moi, ou alors de la même couleur. Donc moi j'ai en rouge et blanc. Maintenant, peut-être que vous allez avoir en bleu et blanc, en vert et rouge, par exemple. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais... Enfin, des conneries au niveau des couleurs, mais sinon, vous allez débloquer... Vous allez débloquer des trucs aléatoirement. Enfin, des objets aléatoirement, avec des couleurs aléatoires. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier Code QG et Code CF s'il m'upload. Si pas, ben, ça sera pour une prochaine fois. Et moi, sur ce, je vais juste vous dire, gardez la patate et ciao tout le monde.